Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est Hamza, le coach carrière, le coach business. Je voulais simplement partager quelque chose avec vous. Je suis sur la route. Hein. Enfin, je vais sur la route. Je vais rejoindre Thierry dans une seconde. On va parler un petit peu. Et je voulais, d'ailleurs, avant que je dise quoi que ce soit, mes live vidéos, si elles vous intéressent, elles vont être sur YouTube à partir de maintenant. Donc, allez sur YouTube, Carrière Express, et inscrivez-vous. Juste dites subscribe. Pour que vous puissiez recevoir des notifications si ça vous intéresse, bien entendu. Aujourd'hui, je voulais discuter d'un truc, d'un phénomène que je retrouve chez beaucoup, beaucoup de mes clients. Au début, quand on commence à travailler ensemble, c'est ce phénomène où, en fait, dans la vie, on a toujours deux choix. On a soit le choix où, personne n'est immunisé quant à la souffrance, quant à la galère, quant au moment difficile de la vie. Personne n'est immunisé. Tout le monde a son fardeau. Faut jamais juger, ah oui, lui, il a eu la vie facile ou des choses comme ça. Personne n'est immunisé. Vraiment, vraiment. Je le crois. Et alors, souvent, on a le choix entre deux choses. On a le choix quand on porte quelque chose de lourd. On a le choix de soit dire, ah, il faut absolument que ce soit moins lourd, ou alors on a le choix de continuer à porter cette chose lourde et développer des muscles. Et souvent, les gens qui réussissent, ben, ils ont su développer des muscles. Ils ont su développer des muscles. Et c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas demander de la facilité, décidé de ne pas demander des raccourcis, décidé de ne pas demander des aménagements. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Quand on veut vraiment faire quelque chose, on le fait, même si c'est dur, même si c'est galère. Je pense beaucoup que on est tous confrontés à des plateaux. On progresse dans nos jobs, dans nos vies, dans tout, et puis on a un plateau. Et souvent, les gens arrivent à un plateau et ils se disent, bah, moi, c'est mon potentiel, quoi. J'ai fait du mieux. Non, c'est juste un plateau en fait. Le progrès, il va toujours en plateau. Et c'est quelque chose que souvent, quand on arrive à là, on refuse de porter encore des charges encore plus lourdes. Et souvent, les gens qui réussissent, ben, c'est des gens qui ont des gros muscles. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués à porter des charges trop lourdes. Je vous donne un exemple tout bête. Quand j'ai sorti mon livre, j'ai reçu tellement de messages où les gens me disent, oh, c'est quand qu'il est en français? Je voudrais une charge plus légère. C'est trop dur en anglais. Oh, est-ce qu'il existe en audiobook? Oh, on faisait des choses comme ça. Mais ça, c'est rien. On le fait inconsciemment tout le temps. Ou du genre, vous avez quelqu'un a besoin de quelque chose, il faut regarder une vidéo, mais ah ouais, mais je vais pas avoir le temps. Il me faudrait plus de temps. Je voudrais un aménagement. Je voudrais une charge plus légère. En gros, c'est cette facilité à se dire toujours une charge plus légère va m'aider. Et alors, l'idée, c'est que vous construirez jamais les muscles dont vous avez besoin si effectivement c'est toujours faisable, facile, pas trop difficile. Il faut absolument passer par des moments où c'est difficile. Que ce soit une job search, vous passez par des moments difficiles, eh bien, rappelez-vous que vous êtes juste à la salle de gym, que ces moments difficiles vont se terminer, mais que à la sortie de ça, vous allez avoir des muscles plus solides que les autres. Souvent, les gens qui réussissent, c'est des gens qui ont échoué plus que les autres. Souvent, c'est des gens qui ont souffert et accepté de souffrir plus que les autres. Ils n'ont pas été lâches et dit, ah non, c'est trop difficile, je préfère revenir chez mes parents. Non, ils se sont dit, je vais me bagarrer, je vais me bagarrer. Les amis, si vous êtes en recherche d'emploi, prenez mon livre. Arrêtez de vous poser un milliard de questions et c'est tout. Ça, c'est important. Si vous êtes en recherche d'emploi et que c'est dur en ce moment, les amis, vous êtes à la salle de gym, vous êtes en train de construire des muscles. Bien sûr que c'est dur à la salle de gym, on transpire, on a mal aux muscles, on est fatigué, etc. Mais c'est ça la gym. Vous êtes juste à la salle de gym et votre souffrance, elle est temporaire, je vous le jure. Ça a toujours été le cas. C'est la promesse qu'on vous a faite depuis que vous êtes petit. On souffre, mais c'est temporaire. On souffre, mais c'est temporaire. Donc, je voulais juste partager avec ça, les amis. Essayons d'être conscients du fait que, il faut pas qu'on demande des charges plus légères. Il faut qu'on pousse ces charges lourdes. Parce que petit à petit, je vous promets, vous allez avoir le corps de vos rêves et l'esprit de vos rêves et la vie de vos rêves. Voilà, c'est juste que je voulais vous dire merci beaucoup, Ali. Un grand, grand merci à toi. Merci d'y avoir pensé. Et good morning, Idriss. Et rejoignez-nous sur YouTube, Carrière Express, la chaîne Carrière Express. À très bientôt, les amis. Bye bye.